debout et commencer à clamer pour Dieu pour ces privilèges que nous avons d'être ici. Je disais, est-ce que nous pouvons nous exprimer en acclamant pour notre Dieu? Et pourquoi ne pas pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Je disais, pourquoi ne pas pousser des cris de joie à l'honneur de celui qui nous a encore attirés dans sa présence? Oh, quelle merveille d'être ici en ces lieux. Ah, c'est vraiment une merveille d'être ici en ces lieux. Et ensemble, nous voulons le faire avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup plus de considération. Est-ce que nous pouvons élever la voix et commencer à dire merci à Dieu? Dites merci à Dieu pour ces moments. Dites merci à Dieu pour la journée. Dites merci à Dieu pour le commencement. Parce que le commencement, c'est ce qui donne sens à toute chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu ce soir qui peut dire merci à Dieu pour le commencement? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui peut dire merci à Dieu pour le commencement? Parce que c'est le commencement qui trace tout ce qui va suivre après. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut dire merci au Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut dire merci au Seigneur? Seigneur, ce soir, nous te disons merci. Nous te disons merci pour le début de ce programme. Merci parce que tu es le Dieu du commencement. Merci parce que tu es le Dieu qui commence toutes choses. Merci parce que tu as pris ce moment en considération. Et la Bible dit, tu es l'alpha, le commencement de toutes choses, c'est toi. Et nous venons te dire merci, Seigneur, parce que ces moments existaient avant même que nous puissions fouler la plante de nos pieds en ces lieux. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que tu vas nous faire du bien. Merci parce que tu nous as déjà fait du bien. Et nous voulons anticiper, Seigneur, avec tes paroles d'action de grâce, à l'honneur de ces choses que tu vas faire, à l'honneur de ces choses que tu as déjà fait, et que tu vas apporter cela à notre connaissance. Seigneur, merci. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci parce que tu es celui qui nous conduit. Et tu conduis nos pieds jusqu'au Seigneur. Ah, nous sommes remplis de joie. Nos cœurs sont remplis d'allégresse. Ah, face à tout ce que tu sais faire et tout ce que tu sais accomplir. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus. Laisse que l'honneur et la gloire te soient à toi, notre Dieu. Oh oui, le commencement de toutes les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous voulons commencer. Ce soir nous voulons commencer à donner honneur à ces dieux grands. Et pour ce faire, nous allons lire le psaume 73. Et j'aimerais commencer la lecture au verset, ou à partir du verset 27e. Je vais commencer même la lecture à partir du verset 26. La Bible dit ceci: ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu restera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. La Bible dit, c'est Asaph qui parle. Il dit, pour moi, s'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et le verbe s'approcher là, c'est aussi le mot chercher. Et la Bible dit, celui qui cherche, trouve. J'aime ce que la Bible dit, Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Asaph passait des moments difficiles. Asaph rencontrait des situations qui le troublaient la tête, qui troublaient son intelligence. Et il va finir par conclure, pour lui s'approcher de Dieu était son bien. Mais ce soir, alors que nous commençons notre programme, nous voulons nous approcher de Dieu. Nous voulons nous approcher de Dieu. Nous voulons le chercher. Nous voulons le chercher dans la profondeur. Nous voulons les chercher dans la profondeur. Mais c'est là que la Bible dit, Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Moi, je suis en train de croire, alors que nous commençons ce programme, Dieu s'est déjà laissé trouver. Mais il veut que nous puissions faire notre part. Notre part de se venir. Notre part, c'est de s'approcher. Notre part, de se disposer. Notre part, c'est de se disposer. Disposer nos cœurs, afin que lui qui sonde le cœur se manifeste. Et Asaph va dire quelque chose. Il dit, j'aimerais raconter tes bienfaits. J'aimerais raconter tes merveilles. Parce qu'il y a quelqu'un en ces lieux qui peut commencer à bénir l'Éternel à cause de ses bienfaits. À cause de ses bienfaits. À cause de ses bienfaits. Ses bienfaits surpassent notre intelligence. Asaph disait, mon corps peut se consumer. Il disait, mon cœur peut se consumer. Mais Dieu restera les rochers. Dieu restera les rochers. Mais les rochers ne s'ébranlent pas. Les rochers n'est pas consumé par le vent. Les rochers n'est pas emporté par la tempête. Ah, cette année a
été, je ne sais moi, difficile, mais Dieu a toujours été ce rocher. Et il est le rocher de notre vie. Il est le rocher inébranlable. Le Dieu unshakable. Le Dieu inébranlable. Est-ce que ce soir nous pouvons élever la voix et commencer à bénir les rochers? Il y a de ceux-là qui élèvent la voix pour bénir Dieu à cause des bienfaits. Il y a de ceux-là qui élèvent la voix pour bénir Dieu parce qu'il est le rocher. Il est le rocher de nos vies. Il est le rocher de nos vies. Ah Seigneur, ce soir, moi, je t'ai béni parce que tu es le rocher de ma vie, le socle sur lequel toutes les attributs sont bâtis. Tu es le rocher de tout. Tu es la fondation et le fondement de toutes les choses. Seigneur, ce soir, je viens te bénir. Je t'ai béni parce que tu es le rocher. Je t'ai béni parce que tu es le rocher de ma vie. Ça pouvait souffler de gauche, ça pouvait souffler de droite, mais parce que tu es le rocher, ah Seigneur, nous n'étions pas emportés. Nous n'étions pas engloutis par les vents qui peuvent souffler, par les tempêtes qui viennent du nord, par la vent qui vient du sud. Mais tu es le rocher de nos vies et nous étions battus sur ce fondement que tu es. Et ce soir, alors que tu es le Dieu du commencement, alors que tu es le Dieu du commencement, alors que tu es le Dieu du commencement de toutes les choses, nous voulons commencer ce programme en te rendant gloire, en te glorifiant. En te rendant gloire, en te glorifiant. Parce que tu es le Dieu qui est notre rocher. Parce que tu es le Dieu qui est notre rocher. Oh Seigneur, ce soir, comme église, nous venons te bénir. Seigneur, ce soir, comme famille, nous venons te bénir. Seigneur, ce soir, comme famille, nous venons te bénir. Nous te bénissons parce que tu es le rocher. Nous te bénissons parce que tu es le rocher de nos vies. Nous te bénissons parce que jusqu'ici, Seigneur, tu nous à secourir parce que tu es le rocher. La Bible a dit de toi, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et Seigneur, ce soir, nous réalisons en dépit de la détresse, en dépit de la pression, en dépit des guerres, en dépit des crises, en dépit des maladies, Seigneur, tu as toujours été là et tu es là pour nous secourir. Et ce soir, Seigneur, nous rentrons dans tes parvis avec des paroles d'action de grâce. Nous rentrons dans tes parvis avec tes paroles de reconnaissance, proclamant que tu es le rocher, proclamant que tu es Dieu, proclamant que tu es le rocher, proclamant que tu es Dieu. Tu t'es manifesté en seigneurie, tu t'es manifesté en sainteté, tu t'es manifesté en puissance parce que tu es le rocher, parce que tu es le rocher, parce que tu es le rocher. Seigneur, quand j'y pense, mon intelligence s'arrête et je me pose la question, si ce n'était pas pour Dieu, si ce n'était pas pour Dieu, si ce n'était pas pour Dieu, certains d'entre nous seront engloutis, certains d'entre nous seront emportés. Mais à cause de ton amour manifesté, à cause de ton amour manifesté, à cause de ta puissance manifestée, Seigneur, c'est ça nous pouvons parler. Seigneur, c'est ça nous pouvons témoigner. Seigneur, c'est ça nous pouvons raconter tes bienfaits. Seigneur, c'est ça nous pouvons encore voir tes bienfaits. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous te bénissons, 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 Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, toi qui es le Dieu de tout commencement, toi qui es le Dieu qui donne le sens au début, toi qui es le Dieu qui trace toutes choses, Seigneur, nous te bénissons ce soir. Alors que nous commençons ce programme, il y avait nos cœurs remplis d'allégresse. Alors que nous commençons ce programme, mais nous commençons cela avec des paroles qui brillent dans nos cœurs, des paroles qui brillent dans nos cœurs, des paroles qui brillent dans nos cœurs, des paroles qui brillent dans nos cœurs. À l'honneur de ce Dieu que tu es, à l'honneur de ce Dieu que tu es, à l'honneur de ce Dieu que tu es, à l'honneur de ce Dieu grand que tu es. Tu es le rocher, tu es le rocher dans nos familles, tu es le rocher dans nos vies, tu es le rocher dans nos projets. Tu es le rocher dans la santé, tu es le rocher dans la santé, tu es le rocher, oh Seigneur, tu es le rocher, tu es le rocher. Dans les six éléments me manqueraient, mais je ne manquerai pas de dire, tu es le rocher de ma vie, parce que ma vie tire sens de toi, mon existence tire sens de toi. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu de toi, et bien ce que je suis, c'est toi qui le définis, c'est toi qui le définis, et
ce soir, Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut acclamer Dieu? Qui peut acclamer Dieu? Y a-t-il quelqu'un, Seigneur, qui peut acclamer le rocher des anges? La Bible dit, il est le rocher des anges. Y a-t-il quelqu'un, Seigneur, qui peut acclamer Dieu? Qui peut acclamer Dieu? Qui peut pousser les cris de joie à l'honneur de ce Dieu grand? Alors que nous commençons, nous lui donnons le meilleur. Le meilleur de nos mots, le meilleur de nos acclamations, le meilleur de nos cris de joie. Mais comment dois-tu acclamer Dieu? Mais comment dois-tu l'acclamer? La Bible dit qu'il est le rocher. Il est le rocher. Mais comment dois-tu acclamer? Mais comment dois-tu acclamer? Mais dans les seigneurs. Vous savez, Asaph a traversé des moments difficiles. Et il est arrivé à une conclusion pour dire s'approcher de Dieu, c'était son bien. Il n'a même pas parlé du matériel. Il n'a même pas parlé de la richesse. Il n'a même pas parlé de ses enfants. Il n'a même pas parlé de sa famille. Mais il disait s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu. Le fait de s'approcher, tout est accompli. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Notre Dieu. Commencement de toutes choses. Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce soir nous t'adorons, Yahweh. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous te bénissons, Yahweh. Nous te bénissons. Toi seul est grand, toi seul est grand. Et il n'y a personne d'autre comme toi, Yahweh. Mon âme te bénit ce soir, Yahweh. Mon âme te bénit ce soir, Yahweh. Je bénirai ton nom, je bénirai ton nom, Yahweh. Oh. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je te loue, Yahweh. Je te loue, Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer ce matin? Ce soir, est-ce que quelqu'un peut l'adorer ce soir? Alléluia. David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Recommande ton âme ce soir à louer l'Éternel pour ses hauts faits. Alléluia. Et tu connais la chanson des As, tu peux chanter avec nous. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Disons ensemble, je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Et pour tous ses hauts faits. Oui, sa louange, ça. Toujours dans ma bouche, je bénirai. Encore une fois, je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Oui, pour tous ses hauts faits. Oui, sa louange, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Je bénirai. Oh oui, pour tous ces offertes.
attitude. Dans ma bouche, je bénirai.
fort pour le Dieu qui t'a fait du bien. S'il t'a fait du bien, tu peux faire mieux que ça. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. Jéhovah Jireh. Et quand j'étais dans le besoin, il a pourvu à mes besoins. Voilà pourquoi mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. You are good. Alléluia. You are good. Is it good to you tonight? Sing you are. Sing alléluia. Alléluia. You are good. You are good. You are good. Yeah. You I love you. For saving my life.
Tu as été bon pour nous, Yahweh. Nous te disons merci, Yahweh, parce que tu es bon pour nous, Père. Tu es si bon pour nous, Yahweh. Oh, voilà pourquoi nous t'adorons ce soir. Voilà pourquoi nous t'honorons ce soir. Nous t'exaltons ce soir. Sois élevé, Yahweh. Sois magnifié, Yahweh. Sois magnifié, Yahweh. Tu es assis sur le trône, Yahweh. Tu es le roi des rois, Yahweh. Tu es le roi des rois, Yahweh. Alléluia. Mélodie venue du ciel, un chant doux les anges en âme, d'une seule voix célèbre ton nom.
t'acclamons, celui qui règne à jamais. Nous t'acclamons, Adonai, celui qui règne à jamais. Nous t'acclamons, le roi des rois. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur Yahweh. À cette première journée, Seigneur, de notre 21, nous voulons t'acclamer, Seigneur. Nous voulons te donner la gloire à toi, Adonai. C'est toi, le seul Dieu qui règne, qui régnera pendant ces 21 jours à demain. Nous bénissons ton nom et nous déclarons l'ouverture de cette saison de victoire. Nous déclarons maintenant l'ouverture, l'ouverture. Ah, laisse-moi te dire, bien-aimé, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je te souhaite la bienvenue. Je te souhaite la bienvenue. Même nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Ah, dis, je suis le bienvenu. Je suis le bienvenu. À cette saison de victoire. Ah, ta victoire sera pas aujourd'hui. Mais ta victoire sera pour chaque jour. Chaque jour. Et nous le déclarons ainsi dans le nom de Jésus. Nous le déclarons ainsi dans le nom de Jésus. Ah, je vais te demander encore aujourd'hui. Ne venez pas les mains vides. Tu dois venir avec la foi. Come with your faith. Tu dois venir avec la louange. Come with your praise. Tu dois venir avec l'adoration. Come with your worship. Ne viens pas les mains vides. Apporte avec toi la foi. Bring your faith with et you. Dans ton sac. And in your bag. N'oubliez pas de mettre la louange. Don't forget to bring praise. Et dans tes poches. And in your pockets. N'oubliez pas de mettre l'adoration. Ah, l'Éternel nous fera tellement de bien. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que l'Assemblée, nous pouvons acclamer le roi? Nous pouvons acclamer le roi des rois. Nous bénissons le Seigneur. We bless the Lord. Nous bénissons le Seigneur. We bless the Lord. Nous commençons aujourd'hui. We are starting today. Et nous avons l'honneur and we have the honor d'accueillir encore to have with l'homme us de Dieu, the man of God, apôtre Douglas. Apostle Douglas. Hier, nous étions tellement bénis. Yesterday we were blessed. Nous étions bénis. We were blessed. Et nous saluons également aussi and we also greet la présence de l'homme de Dieu, the presence of the man of Pasteur God, Aimé, Pastor Aimé. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Alors, pendant que nous acclamons Jésus, as we applaud je vais Jesus, inviter apôtre Douglas Apostle dans le nom puissant de Jésus. Jesus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Can somebody applaud for the king? Glory to God. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. We bless the Lord our God. Merci pour ces 21 jours. Thank you for these 21 days. Merci de commencer avec nous. Thank you for starting with merci us. De cheminer avec nous. Thank you for being continuing merci with parce us. Que tu vas terminer avec nous. Thank you for you will finish with dans us. Une nouvelle dimension. Into a new dimension. Merci pour tout ce que tu as déjà préparé. Thank you for all that you prepared. Par ton esprit. Through your spirit. Au travers de tous les canaux. And through all the channels. Qui vont passer ici. That will go through here. Pour bénir ton peuple. To bless your people. Merci pour toutes les grâces. Thank you for all the grace. Les faveurs. And favors. Pour toutes les bénédictions. For all the blessings. Qui vont suivre de ce moment. That will come from here. Donne-nous, Seigneur, d'être participants. Give us to be participants. Donne-nous de prendre part à ce que tu as prévu au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. We prayed. Amen. Amen. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Let us be seated in his presence. Je vous salue dans le précieux, glorieux nom de Jésus. I greet you in the wonderful name of Jesus. Et je remercie le Seigneur pour cette belle opportunité qu'il nous donne. I thank the Lord for this opportunity given. De très en tout cas là aujourd'hui également for today as well. Pour commencer ce temps de jeûne et prière to be able to start this time of fasting and prayer. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur et je bénis également le Seigneur pour son serviteur le docteur Michaud ainsi que maman Sissi. And I bless the Lord for his servant Dr. Michaud and maman Sissi. Et merci au pasteur Harry, au pasteur Grace et à tout le corps pastoral. And thank you to Pastor Harry and the whole pastoral team as well. Merci pour cette belle opportunité. Thank you for this opportunity. Et je suis venu non pour simplement apporter, mais pour recevoir aussi. I didn't come just to bring, but also to receive. Et je sais que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. And I know the Lord is going to do good unto us. Amen. Amen.
Alors, le thème qui nous est proposé, so the theme that is given to le us, grand thème s'intitule donc l'Éternel est avec moi comme un puissant héros. Which you said that the Lord is with me as a mighty warrior. C'est un texte qui est tiré donc de Jérémie chapitre 20 verset 11. It's a text taken from Jeremiah 20 verse 11. Et dans ce texte, quand j'essaie de méditer, and as I try to meditate on this text, j'ai compris plusieurs choses. I understood many things. Et j'ai compris que Jérémie était un homme de Dieu, un prophète de Dieu. I understood Jeremiah was a man of God and a prophet of God. On l'appelait beaucoup un prophète de malheur. Called a prophet of misery. Parce que la plupart des messages qu'il apportait and many messages that he brought forth pas compris par ses contemporains. Were not understood by the people at the time. Il annonçait des choses dures. He spoke things that were hard. L'attitude de son peuple à l'époque. And the attitude of the people at the time. Et il a eu beaucoup d'opposition. And there was many oppositions. Il a eu beaucoup de menaces. There was a lot of threats. Il a eu beaucoup de persécuteurs. He received a lot of persecutors. Notamment le chef de son peuple. Even the leaders of the people. Qui se sont levés eux tous. And they all rose. Pour le combattre. To fight him. Pour l'attaquer. To attack him. Et Dieu avait rendu son and God made the bottom of himself hard. J'aime bien ce texte. Il n'a pas rendu son cœur dur. Il avait un cœur de chair, mais il avait un front dur. The Bible says he had a heart of flesh, but he had a heart as well to face. Pour affronter, je dirais. I should say to face. Toutes sortes d'opposition. All types of opposition. Toutes sortes de menaces. All types of threats. Toutes sortes d'attaques. All types of attacks. Dont il était l'objet. Which he was facing. Et il dira lui-même. And he will say himself. Combien même je dirais que je ne ferai pas mention de lui. As I will not mention him as such. Comme un feu, he says, as if this fire in my bones bouillonne dedans de moi, is burning inside of et me, je ne peux que parler. And I can only speak. Pourquoi? Parce qu'il était loin de Dieu. Why? Because he was anointed by God. Parce qu'il avait Dieu avec lui. Because he had God with him. Et combien même ses ennemis se levaient, in such way as he rose, il ne pouvait pas prendre le dessus. He could not stand upon à cause de son attachement, because of his attachment, à cause de son amour, because of his love, à cause de son obéissance, and because à of Dieu. His obedience to God. Et il dit, l'Éternel est avec moi. And he says, the Lord is with comme me un vaillant héros, as a mighty warrior, comme un puissant héros, as a mighty warrior. C'est pourquoi mes ennemis tombent, and that's why my enemies fall. Mes persécuteurs chancèlent, my persecutors stumble. Et là, je vois quelque chose de très important, and I see something important, que je voudrais souligner par rapport à l'introduction de mon message de ce soir. And I would like to underline this as an introduction of my message tonight. Il dit, l'Éternel est avec moi. He says, the Lord is with me. En d'autres termes, il parle de la présence de Dieu. In terms, he's speaking of the presence of God. Pour vaincre des choses, in order to overcome things. Pour sortir vainqueur de toutes sortes de difficultés, épreuves. In order to be overcomers of difficulties pour and tests. Pour renverser toutes sortes de menaces, d'attaques. To overthrow trials and attacks that il you may face. Il est important de savoir que Dieu est avec nous. It is important to know that the Lord is with us. La présence de Dieu est la clé. The presence of God is the key. Et la présence de Dieu. The presence of God. Je peux la définir de deux manières. It can be defined in two ways. Premièrement, on parle de la présence passive de Dieu. First, we're speaking of the passive presence of en the Lord. En d'autres termes, l'omniprésence de Dieu. In other terms, the omnipresence of Dieu God. Est présent partout. God is present everywhere. En même temps, and at the same il time, est au ciel, il est sur la terre, il est partout. He's in heaven, on earth, and everywhere. Même dans la maison de pécheurs, Dieu est. Even the homes of sinners, mais he's sa there. Présence manifeste n'est pas. His presence manifests. Mais de quelle présence Jérémie parle? But the presence Jeremiah speaks of. Mais il parle de la deuxième présence de Dieu. He's speaking of the second presence deuxième of God. Deuxième sorte de présence the de Dieu. The second type of presence qu'on appelle of God. La présence active de which Dieu. Is the active presence la of God. La présence manifeste de Dieu. The manifest presence of God. C'est la gloire de sa présence. It is the glory of his c'est presence. La gloire de Dieu. It's the glory of God. Quand Dieu vient s'investir. When God comes to invest. Quand Dieu vient marcher avec when toi. When God comes to walk with quand you. Quand Dieu vient je dirais s'impliquer dans tes affaires. As I said, the Lord being implied in all your et things. Sa présence attire. And his presence attracts. Dans par une vie de pureté. It's attracted in a life of purity. Par une vie de sainteté. In a life of holiness. Par une vie de foi. In a life of faith. Et c'est la présence dont on a besoin. And it's the presence that we're in need of. Pour voir Dieu se lever. You see God being risen. Comme un puissant héros. As a mighty warrior. Il faut le chercher. We need to seek after et nous him. Sommes venus le chercher. And we came to seek for est-ce him. Que quelqu'un est-il venu chercher Dieu? Is anybody that came to et seek the Lord? Et pendant 21 jours, nous sommes venus le chercher. And we came to seek him this morning as well. Pour qu'il puisse intensifier sa présence. So we intensify his presence. Que sa présence soit davantage manifeste. So his presence can be manifest more. Visible. So it can be visible. Qu'elle soit palpable. That it can be touchable. De sorte que lorsque les ennemis vont se lever, such as the enemy will rise, ils ne pourront que tomber. They can only fall. Alléluia. Amen. Que Dieu travaille avec toi. May the Lord work with que you. Que Dieu marche avec toi. May the Lord walk with qu'il you. Qu'il aplanisse les sentiers. May Lord your path. Et que toutes sortes d'adversités, and all types of adversity, toutes sortes d'opposition, and all types of opposition, soient soumis. May fall. Et comme Dieu est avec and moi, and as the Lord is with comme you, comme sa présence manifeste, his manifest presence est avec moi, is with me,
Il me rend un héros. So he makes me en fait, a mighty quand woman. Dieu dit je suis avec toi comme un puissant héros. As he says I'm with you as a mighty warrior. En réalité, Dieu n'a rien à démontrer à qui que ce soit. In other terms, God has nothing to demonstrate to il no one. Il est déjà un puissant héros. He's already a mighty warrior. Mais en réalité, il veut faire de toi ce héros là. In reality, he wants to make you that il veut mighty faire warrior. De toi cet homme là ou cette femme là. He wants to make you this man and this woman. Qui va remporter des victoires. Who's gonna overcome victories. Et je regardais la définition d'un héros. And I look at the definition of a hero. Dans le dictionnaire, un héros c'est une personne qui se distingue par sa bravoure. And in the dictionary, say a hero is a man that's distinguished by his bravery. Une personne qui se distingue par son courage. By someone that's distinguished by his courage. Par ses mérites exceptionnels. By all types of things that he may have. Un héros c'est un personnage légendaire. A hero is a legendary man. Qui fait des exploits. Who makes exploits. Extraordinaire. Extraordinary. Oh, je suis en train de voir Dieu. I am seeing the Lord. Vouloir marcher avec quelqu'un. Wanting to walk with someone. Afin de faire cette personne. So make sure this person. Un héros. A hero. Quelqu'un qui va faire des exploits. Someone that's going to do exploits. Et il va le faire dans ta vie. And he's going to do it in il your va life. Le faire dans notre he vie. Will do so in our lives. Il va le faire dans notre he église. Will do it in our in our est-ce que quelqu'un m'entend? Is anybody listening? La Bible dit avec Dieu. With God, nous ferons des exploits. We will do exploits. Lorsque Dieu est de notre côté, as the Lord is on our side, les exploits deviennent naturels. Become natural. Avec Dieu. With God. En d'autres termes, nous sommes des héros. In other terms, we are parce que heroes. Comme c'est les héros qui font des exploits, as the heroes that do exploits, il fait de moi aussi un he héros. Makes me as well a hero. Dans l'hébreu, le mot héros, in Hebrew, the word warrior, veut dire gibor. It means gibor. C'est littéralement qui donne le mot fort ou encore puissant. Which means strong and mighty. Un héros c'est un homme puissant. A hero is a mighty man. Un héros c'est un homme fort. A hero is a strong man. Un héros c'est un homme vaillant. A warrior is a mighty man. Voilà pourquoi Dieu on l'appelle aussi El Gibor. And that's why the Lord is also El Gibor. Dieu puissant. The mighty Lord. Vaillant héros. Mighty warrior. L'Éternel des armées. The Lord of hosts. Celui qui mène les combats. The one that starts the fight. Et qui remporte les batailles. And overcome battles. Non, tu n'as pas un petit Dieu. You don't have a small God. Dans Psaume 45, in Psalm 45, verset 4, il dit vaillant guerrier. He said, mighty warrior. Ceint ton épée. Dress up your sword. Et ta parure. And your sword. Et ta gloire. And your glory. Je dis oui ta gloire. Says yes to glory. Et sois un vainqueur. And be a victor. Aide-moi à dire à ton voisin, sois un vainqueur. Tell anybody, be a victor. Donc je crois qu'il t'a pas bien entendu. Dis-lui vraiment à l'oreille. Je te dis, sois un vainqueur. Be a warrior. L'Éternel est avec moi. The Lord is with me. Comme un vaillant héros. As a mighty hero. Comme un puissant héros. As a mighty warrior. Parce qu'il fait de moi. Because he makes of me. Un vainqueur. An overcomer. Alors tu ne peux pas être déclaré vainqueur. You cannot be declared victor and overcomer. Si tu n'as pas combattu. If you haven't fought. Donc en quelque sorte. So in other terms. C'est un test qui montre aussi que il y a un background de combat. It's a test that shows there was a background of a battle. Il y a un background de d'attaque. This is the background of attacks of a fight. Mais dans ce combat, but in this battle, tu es déjà vainqueur. You're already an overcomer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En méditant profondément sur cette parole, and meditating on this word, j'ai compris que I understood that Dieu, that God, qui veut que nous puissions être des vainqueurs, who wants us to be overcomers, des héros, and heroes, qu'est-ce qu'il fait? What does he do? Il nous donne d'abord son esprit. He first gives us his spirit. Il nous donne son onction. He gives us his anointing. Et j'aime bien le texte de Zacharie qui dit, ce n'est ni par la force, and I like the prayer that says, not by strength, ce n'est ni par la puissance, or nor by might, mais c'est par mon esprit, but it's by my spirit, dit l'Éternel des armées, says the Lord of hosts. Qui es-tu grand? Montagne. Who are you, great mountain? Devant Zerubbabel, before Zerubbabel, tu seras aplani. You shall be Lord. Dieu qui vient de oindre, the Lord that comes to anoint il te you, donne l'onction, he gives you the anointing, pour faire de toi un héros. To make of you a mighty man. En d'autres termes, in other terms, tu auras des batailles à mener. You're gonna have battles facing. Tu auras des luttes. You're gonna have fights. Mais n'aie pas peur. But do not be afraid. Ne sois pas effrayé. Do not be shaken. Parce que dans ces luttes là, because in this battle, parce que l'Éternel est avec toi, because the Lord is with il you, te rend déjà plus que vainqueur. Makes you more than an overcomer. Voilà pourquoi David pouvait dire, that is what David could say. L'Éternel exerce mes mains au combat, the Lord sets my hands for battle, et mes doigts à la bataille, and my fingers to war. Donc ce que j'ai compris, what I understood by that, c'est que quand Dieu te oint, so the Lord anoints l'onction you, t'amène aussi les combats. The anointing also brings battles.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi mon sous-thème s'intitule les batailles de l'onction. And that's what the subtheme tonight is, the battle of anointing. Note le, les batailles de l'onction. The battles of anointing. Je vais introduire aujourd'hui. I'm going to introduce today. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Because there's many things to see. Alléluia. Amen. Donc l'exemple qui m'a le plus marqué. So the example that touched me the most. C'était l'exemple de David. It's the example of David. Nous connaissons pour la plupart d'entre nous qui était David. We know who David was. Et Dieu a fait de lui un vaillant héros. And the Lord made of him a mighty hero. Dieu était avec lui. The Lord was with him. C'est parmi les rares personnages de la Bible qui a mené beaucoup de guerres de l'Éternel. It's one of the only men in the Bible that had so many wars for the Lord. Mais pour la plupart de ces guerres, il est sorti toujours victorieux. And for many of these wars, he came out Mais victorious. Quel était son secret? But what was his secret? Il savait he knew que Dieu était avec that lui. The Lord was with il him. Faisait tout he was doing all pour things que Dieu soit avec lui. For the Lord to be with il ne s'appuyait jamais sur son expérience. He never leaned on his experience. Quelquefois, les expériences du passé peuvent devenir des pièges pour nous. They can become traps for ourselves. Il ne s'appuyait pas sur ses compétences. He didn't lean on his own ability. Mais il vérifiait à chaque fois. But he always checked. Est-ce que Dieu est avec moi? Is the Lord with me? Est-ce que la main de Dieu est sur the moi? Hand of God upon me? Quelques informations sur David. A few information about David. David était un chantre de l'Éternel. David was a singer of the Lord. Un chantre agréable à l'Éternel. A pleasing singer for un the Lord. Passionné de Dieu. A passionate man of God. Il était également un prophète de Dieu. He was also a prophet of God. Il était roi d'Israël. He was king of Israel. Il était un homme de guerre. He was a man of war. Il était un homme d'État. He was a man of God. C'était quelqu'un qui avait des richesses. And somebody that had wealth. Il avait le pouvoir. He had power. D'ailleurs, Dieu a dit, je ferai de lui le roi le plus élevé de la terre. And so God said, I'll make him the mighty one. Dieu l'avait élevé. God the Lord lift him up. Mais il ne s'est pas appuyé sur ça. But he didn't lean upon that. Deuxième information. Second information. Il était le huitième de sa famille. He was the eighth member of his family. Alléluia. Amen. Il était le choix de Dieu. He was the choice of God. Dieu l'a choisi. The Lord chose him. Pour le oindre comme roi. To anoint him as king. Il n'a pas choisi parce que à cause de ses mérites. He wasn't chosen because of his mais à merits, cause de sa grâce. But because of grace. Alléluia. Amen. Mais aussi à cause de son cœur. Also because of his heart. Il avait un cœur pour Dieu. He had a heart for the Lord. Un cœur agréable. A pleasing heart. D'ailleurs, on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. It's called the man according to God's heart. Mais lorsque vous appuyez sur la grâce, and as you lean upon grace, et vous avez un cœur pour Dieu, you have a heart for the Lord, vous êtes déjà disposé à recevoir l'onction de Dieu. You're already disposed to receive the anointing of God. Parce que l'onction de Dieu dans le cœur de quelqu'un qui a le cœur de Dieu, because the anointing of God in the heart of a man, c'est une bénédiction. It's a blessing. Mais l'onction de Dieu dans la vie de Nabal, but the anointing of God in us, un homme méchant, a wicked man, ça sera vraiment la catastrophe. It's going to be catastrophe. Alléluia. Amen. Et je voudrais être comme cet homme. And I'm treating as this man. Et la Bible dira, que Samuel le prophète sera envoyé par Dieu Samuel, the prophet, will be sent pour le moindre to anoint him, afin de succéder so that he may take over à Saül qui avait été rejeté. Saul, who was rejected. Et quand Samuel arrive, and as Samuel arrives, il regarde ses aînés qui étaient plus grands que lui. He looks at the elders who was older ils avaient une taille impressionnante. They're impressing to même le their grand hearts. Prophète s'est trompé. Even the prophet himself made en a disant mistake. En parlant d'Eliab, certainement celui loin de Dieu. Saying, yes, probably it's this, the man of Dieu God. Va le répondre en disant ceci. But the Lord is going to be l'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. Do not consider what men consider. Les hommes regardent à ce qui frappe l'œil. Men look at what shines from their mais eyes. Dieu voit le cœur. But the Lord looks at the heart. Et je suis venu dire à quelqu'un si tu as un cœur pour Dieu, I can tell somebody if you have a heart for Dieu God, va répandre l'onction sur toi. The Lord is going to pour his anointing on Alléluia. You. Amen. Il va répandre une onction pure. He's going to pour a pure anointing sur toi. Over you. Lui n'était pas là. He wasn't et on there. Est parti le chercher. And they went to seek for et quand him. Il est arrivé, arrived, dans 1 Samuel chapitre 16, in 1 Samuel chapter 16, à partir du verset 12, from verse 12, la Bible dit ceci, the Bible says, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et ici, pour la toute première fois, and this for the very first time, au milieu de ses frères, in the midst of his brothers, le jeune David, the young David, qui avait le cœur pour Dieu, with the heart for the Lord, va être oint is going to be anointed, parmi ses frères. And amongst his brothers, et le jour où il reçoit l'onction, the day he received the la anointing, Bible dit l'Esprit le saisit. The Spirit fell upon him. Dieu vient être avec lui. The Lord was with him. Alléluia. Amen. Le jour où il reçoit l'onction, the day he received anointing, Dieu commence à marcher avec the Lord David. Started walking with David. Regardez même dans la vie de Jésus.
Jésus. Even looking the life of Jesus. On nous dit que vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force. He said, the Lord, I know to Jesus Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Allant de lieu en lieu. Going from place to place. Faisant du bien aux gens. Doing good to people. Et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Dieu était avec lui. Because the Lord was with him. À chaque fois, vous allez remarquer l'expression Dieu était avec lui. Every time you're gonna notice that la présence de Dieu. The presence of God. La présence active. The active presence of God. La présence manifeste. The manifest presence et qui a of God fait toute la différence that made all the difference dans la vie de David. In the life of David. Et quand l'onction vient sur vous, when the anointing comes elle upon commence you, à vous donner de l'influence. It starts to give you influence. D'abord dans le monde spirituel, firstly in the spiritual realm, mais aussi dans le monde physique. But as well in the physical. Et cette influence, and this influence, c'est ça qui va vous susciter des combats. It's what's going to bring forth battles. Je vais m'expliquer. Gonna explain. Pour la deuxième fois, for the second time, le roi David va recevoir encore l'onction. King David is going to receive anointing. 2 Samuel chapitre 2 verset 4. 2 Samuel chapter 2 verse 4. Les hommes de Juda vinrent et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Pour la deuxième fois, for the second time, les anciens de Juda, the elders of Judah, ils vont prendre David, they're going to take David et ils vont le oindre. They're going to anoint him. Dieu lui avait promis la royauté sur tout Israël, mais son onction commence d'abord au milieu de ses frères, dans les lieux secrets, in a secret place, ensuite sur une partie du territoire. And then in a part of the territory. Et la troisième fois, and the third time, ça sera sur tout le territoire. It's going to be all of the whole territory. 2 Samuel 5, verset 4. 2 Samuel chapter 5, verse 4. La Bible dit ceci. The Bible says this. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Et ils oignirent David pour roi d'Israël. Pour la troisième fois, for the third time, David, âgé de 40 ans, he was about 40 va recevoir l'onction, he's going to receive anointing, cette capacité surnaturelle, supernatural pour qu'il puisse régner, to be able to reign, pour qu'il puisse dominer, to be able to rule, qu'il puisse apporter le règne de Dieu to be able to bring the reign en Israël. Of God in Israel. Et il a commencé à manifester l'influence. And he started manifesting influence. Bien-aimé, à chaque fois que l'onction sera sur vous, every time anointing shall be over elle va, c'est comme si vous allez dégager vous allez dégager une puissance. It's as if you have certain, dans certain le monde spirituel. In the spiritual realm. Et cela va vous attirer des combats. And it's gonna draw anointing. Cela va battles. Vous attirer des problèmes. It's gonna bring problems. Alors, on va le voir. And we're gonna see this. Regardez 2 Samuel. Look at 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. Au chapitre toujours 5 qu'on a pris. Still in chapter le 5, verset 17. Verse 17. La Bible dit ceci. The Bible says this. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé et descendit dans la forteresse. Les Philistins, the Philistines, les ennemis des enfants d'Israël, those were from the ils vont of Israel, apprendre they're gonna hear que David avait été oint. That David was anointed. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? What will they do? Ils vont commencer à le chercher. They're gonna search for him. Ils vont chercher à le tuer. They're gonna search to kill him. Si Dieu est avec toi, if the Lord is with sache you, que tu deviens un danger public pour le monde des ténèbres. You become a public danger for the si world Dieu of est avec toi, if the Lord is with tu you, deviens un wanted dans le monde occulte. You become anointed in the occult world. Et l'ennemi va tout faire. And the enemy is gonna do pour pouvoir te tuer. To be able to kill you. Mais j'ai une bonne nouvelle pour but toi. I have good news for you. Il s'est trompé d'adresse. He already made a mistake from the address. Non, 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 j'ai pas entendu ton amen. I didn't hear you. J'ai une bonne nouvelle pour I toi. Said, I have a good news for you. Il s'est he made a mistake on the address. Non, j'ai pas entendu. Il s'est he made a mistake on the address. Dis avec moi l'onction. Say with me anointing. Dis avec moi l'onction. Say with me anointing. Dis avec moi l'onction. Say with me anointing. Amène l'influence. It brings influence. Je prie qu'à partir de maintenant, I pray from today, que ta vie ait de l'influence. May your life have influence. Peu importe ce que tu fais, despite what you dans do, la vie séculière, in the world, même dans l'église, even in the church, dans l'œuvre de Dieu, in the work of God, ne sois pas un homme ordinaire. Do not be an ordinary man. Ne sois pas une femme ordinaire. Do not be an ordinary woman. Aie l'onction sur toi. Have the anointing over la you. Présence de Dieu sur the toi. Presence of God ça over va you. Marquer la différence. It's going to mark the difference. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quelles sont les batailles so what are the battles que l'onction amène that the anointing brings? Aujourd'hui, je vais juste toucher un aspect. So today I'm going to touch one aspect. Première bataille the first battle que David a connue that David knew que toi et moi, on va connaître d'une manière ou d'une autre that we're going to face as well one way or another c'est l'intimidation. Is intimidation.
J'aimerais que tu le soulignes. I want you to underline this. L'intimidation. Intimidation. L'intimidation. Intimidation. L'intimidation, ce sont des menaces. Intimidation, these are threats. Ce sont des pressions. These are pressures. Où l'ennemi va tout faire. Where the enemy will do all pour vouloir t'empêcher d'agir. To try to stop you from acting. De travailler. To work. D'avancer. To go forward. De réussir. To succeed. Parce qu'il sait. Because he knows. Que l'onction que tu as reçue. Est un, c'est quelque chose qui va te propulser. It's something that's gonna propel qui va te you. Catapulter. It's gonna catapult alors you. Qu'est-ce qu'il fait? So what does he do? Il essaie de t'empêcher. He tries to stop you. Mais comment est-ce qu'il arrive? C'est par l'intimidation. It's through intimidation. Il sait que tu es dangereux. He knows that you are dangerous. Il sait que ce qui est en toi, celui qui est en toi, he knows that the one that is in you est plus grand que lui. Is greater than him. Mais il va tout faire so he's gonna do all things pour que tu aies peur. So that you may be afraid. Que tu sois tétanisé. So that you may be stressed. Que tu n'avances pas. So you don't move forward. Et vous allez le comprendre. So you're gonna understand. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. And that is the strategy à chaque fois que tu veux aller dans une nouvelle dimension, every time you want to go into a new dimension, il y aura comme une forme d'intimidation. There's gonna be some type of intimidation. À chaque fois que tu voudras étendre, je dirais, élargir l'espace de ta tente, il y aura l'intimidation. À chaque fois que tu voudras atteindre une nouvelle dimension, tu voudras déployer tes ailes, il y aura l'intimidation. Alléluia. Et David avait été intimidé. À chaque fois, dans toutes les fois il a reçu l'onction, il a été intimidé. Les batailles d'intimidation, elles sont d'abord spirituelles. They're first spiritual. Elles sont verbales. They're verbal. Elles peuvent aussi être manifestes. They can also be manifest. Elles peuvent être aussi physiques. They can also be physical. Mais tu dois être préparé à ça. You have to be prepared for that. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Trois sortes d'intimidation que j'ai notées. Three types of intimidation that I noted. Première intimidation. First one. Son propre frère. Own brother. Eliab. 1 Samuel chapitre 16 verset 20 à 30. 1 Samuel chapitre 16 verset 20. Notez juste la référence, vous aurez à lire. You're going to read it later on. Israël est attaqué par les Philistins. Israel is attacked by the Philistines. Et le père de David, Isaïe, demande à David de prendre la nourriture et d'aller aider ses frères qui étaient sous le champ de bataille. And David's father asked David to take food to go and help the brothers that are on the battlefield. Et quand David arrive, and David, when he arrives, il entend des cris. He hears he cries. Il entend quelqu'un qui est en train d'insulter l'armée de Dieu. He hears somebody insulting the army of God. Il entend quelqu'un qui est en train de rabaisser. He hears somebody lowering, le Dieu d'Israël. The God of Israel. Mais il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? He says, but what's happening? Il se renseigne. So et on lui dit que c'est Goliath. He says, tell him it's Goliath. Et quand David arrive, when David arrives, il va dire à ses frères, he's gonna tell his brothers, que lui il est capable d'aller affronter he's Goliath. Able to face Goliath. Pourquoi David l'a dit? So why did David say this? Un, il était sûr. First, he was que sure. Dieu était avec lui déjà même dans la brousse. That God was with him, even when et he dans was la brousse with the flock, il a réussi à tuer le lion et le loup. Et deuxièmement, secondly, il savait que Dieu avait déjà répandu l'onction sur lui. He knew that God poured anointing over et him. Comme l'onction n'échoue jamais, and since anointing does il n'allait fail, jamais échouer. He was not going to fail. Mais il était en même temps conscient he was also aware que si Israël était en train de reculer devant Goliath, was backing up from Goliath, c'est que le chef qui était à la tête du pays, is that the one that was leading the il country, avait été rejeté. Was rejected. Il n'avait plus l'onction de Dieu. Il n'avait plus l'approbation de Dieu. Comme quoi on peut aussi perdre l'approbation. So you can also lose the on peut aussi perdre l'onction. You can also lose the anointing. Et Saül avait peur. So Saul was afraid. Les gens qui étaient avec lui avaient peur. The people with him were David afraid. A dit, je vais aller. So David said, I will et écoutez ce que vont dire ses frères. And listen what his brothers will say. On connaît ton orgueil. We know your pride. Oh, tu n'as pas bien compris. You didn't hear properly. David a parlé par l'esprit. David spoke by the spirit. Il savait que lui il était capable de terrasser les géants. He knew he was able to face the mais challenge. Les gens de sa famille, but the people of his family, les proches, those close, ont traité la bravoure de David d'orgueil. They treated his bravery as pride. Bien aimé, il y a une différence entre être orgueilleux et être courageux. Beloved, there's a difference between being prideful and courageous. Là, le problème, ce n'était pas un problème d'orgueil. The problem there was c'était the pride. Un problème de courage. It was a problem of courage. David savait une chose. David, you want ce n'est pas un esprit de timidité spirit of timidity que Dieu nous a donné. That the Lord gave mais us, l'esprit de Dieu nous remplit de force. Spirit of God gives us strength. L'esprit de Dieu nous remplit the de bravoure. Alléluia. Alléluia. Amen. Du reste, il avait été roux avec une corne. From the rest, he was anointed with the et vous horn. Savez que la corne représente la force, and l'autorité royale. And represents strength and royalty. Mais on a traité David d'orgueilleux. But they treated David as a prideful.
Je voudrais dire à quelqu'un, n'aie pas peur des mots. N'aie pas peur des mots. Il y a des gens qui sont déjà vaincus qui vont te traiter d'orgueilleux. Aujourd'hui, les gens qui font des exploits, on les traite des orgueilleux. Tu veux nous montrer quoi? Tu veux nous montrer que toi, tu as l'argent? Tu veux nous montrer que toi, tu pries beaucoup? Non, le problème, c'est si toi, tu as perdu. Demande-moi comment un feu on fait pour que tu puisses retrouver ta place. Ne me critique pas. But do not criticize. La plupart d'entre nous, most of us, on peut être intimidé. J'ai vu des gens qui étaient zélés. I see people with a lot of zeal. Baissés dans leur zèle. Parce qu'il y avait des vieux chrétiens. Because there was older Christians, des vieux prophètes. Or older prophets, avec, enfin, qui n'étaient plus avec Dieu. Who were no longer with God. Quelqu'un est venu me voir un jour. Somebody came to see me one day. Pour dire. To say. Alors que je voulais m'investir dans les choses de Dieu. As I want to invest myself in the things of God. Un vieux chrétien va lui dire. An old Christian will tell him. Tu sais, nous aussi on a commencé comme ça. You know, we also started this nous way. On était zélés. We were zealous. Quand nous fûmes. When we used to, quand Dieu nous utilisait. When the Lord used to use us. Quand nous prêchâmes dans les stades. When we used to preach in stadiums. Quand nous guérissâmes les malades. When we used to heal the sick. Quand nous chassâmes les démons. When we used to cast out leur demons. Dieu composé au passé. The God is composing mais the moi past. Mon Dieu n'est pas un but Dieu du God passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Forever, tomorrow. Et quand tu veux faire des exploits, and as you want to do exploits, tu veux nous montrer quoi? What do you want to show us, they may say. Un petit orgueilleux. A small prideful. Non, mon frère, ce n'est pas de l'orgueil. No, it is not pride, my remporter prophet. La victoire de l'Éternel, ce n'est pas de l'orgueil. C'est la fierté du royaume de Dieu. Gagner les âmes. Bâtir des grandes églises. Former une multitude de disciples. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la grande commission. It's the great commission. Ah, donne-moi un bon amen. Amen. Les gens qui sont en perte de vitesse vont nous traiter d'orgueilleux. Ce n'est pas grave. It is okay. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'intimidation. Intimidation. Je ne sais pas si tu es intimidé. I don't know if you are being intimidated. Lorsque quelqu'un veut t'intimider, when somebody wants to intimidate je vais you, te donner un secret. I'll give you a secret. Garde les yeux sur la vision. Keep your eyes on the vision. Garde les yeux sur l'objectif. Keep your eyes on the objective. Garde les yeux. Tu n'as pas reçu l'onction pour te divertir. Tu n'as pas reçu l'onction pour jouer, pour blaguer. To play with it. Dieu ne te choisit pas. The Lord doesn't il ne te choose you. Pas pour faire plaisir. He doesn't want you to fight by pleasure. Il attend un but. Tu dois remporter les victoires au nom de Jésus. Et pendant ces 21 jours, ce sont des victoires et des victoires et des victoires et des victoires que nous allons remporter au nom de Jésus. Abat l'intimidation. Dis encore abat l'intimidation. Tu dois être courageux. Oh, l'onction donne le courage. Un homme de Dieu aime dire le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais le courage, c'est avancer même en tremblant. Même quand c'est compliqué, j'avance quand même. Je suis venu dire à quelqu'un, avance. Dans tes études, avance. Dans tes projets, avance. Dans le mariage, avance. Dans la mission, avance. Les gens parleront toujours. Il se prend pour qui? Who does he think he is? Se prend pour qui? Who does she think he is? Je she me is. Prends pour quelqu'un qui est loin. I take myself from Swiss for somebody that's anointed. D'ailleurs, la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence. The Bible says you shall see the entre difference. Ceux qui sont avec Dieu, between those who are with God, et ceux qui ne sont pas avec Dieu, and with those that are not with God, il faut qu'il y ait la différence. There must be a difference. Dis avec moi, ah. Say with me, ah. Deuxième intimidation. The second type of intimidation. Saül. Saul. Dieu l'a rejeté. God rejected him. L'esprit l'a quitté. The spirit left him. Oh, je n'aimerais pas que vous puissiez connaître la situation de cet homme. I don't want you to know the situation of this man. Que c'est douloureux de perdre l'esprit. It's so painful to lose the spirit. Quand Dieu vous a amené dans une dimension, when the Lord brought you into certain dimension, de communion, des choses spirituelles extraordinaires que vous avez expérimentées, of fellowship and extraordinary things that you may know supporter. With them, you cannot support it. Voilà pourquoi il y en a quand ils savent que Dieu n'est plus avec eux. And that's why some people want to know God is no ils vont toucher with them. À la magie. They're gonna touch magic. Ils vont aller à l'occultisme. They're gonna go into occultism. Juste pour pouvoir se maintenir. Just so they may maintain. T'as pas besoin de ça. You don't need that. Et lui, il était rejeté. And he was rejected. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapter 17. À partir du verset
33. From verse 33. Saül, un roi rejeté. Saw a king that was rejected. Il est resté un leader d'expérience. He was a leader by experience. Et il va dire à David. And he will say to David. Tu ne pourras pas combattre contre ces géants. You cannot fight these giants. C'est un homme de guerre depuis son enfance. It's a man of war since his childhood. Vous savez, quand vous n'avez plus, vous perdez l'onction. You know, when you lose your anointing. Vous voyez les géants comme des géants. You see giants as giants. Mais je ne nie pas qu'il y a des géants. I'm not saying there's no mais giants. Quand j'ai l'onction, but when I have the anointing, quand Dieu est avec moi, God is with je me, sais que j'ai le géant des géants avec moi. Giants with je me. Sais que j'ai le puissant héros avec moi. With me. Donc les yeux de David, so the eyes of David ne voyaient pas le géant de Goliath de 3 mètres. Il voyait le géant d'Israël. Parce que lui, c'était un incirconcis. Il n'était pas en alliance. Mais David était en alliance avec Dieu. Et David était oint par Dieu. Il n'a pas regardé son âge. Bien aimé, les expériences des aînés qui sont en perte de vitesse peuvent être une intimidation. Je me rappelle qu'au début de mon ministère, quand je voulais faire des choses, vous savez, à l'époque, je faisais beaucoup de croisades d'évangélisation. Les gens disaient, mais tu te prends pour qui? Tu vous avez des gens qui ont fait cette main. Tu vas te casser la figure. Il ne faut pas écouter ça. You should not listen to these people. Je dis, il ne faut pas écouter ça. You should not listen to that. Il faut écouter le ciel. You have to listen to heaven. Il faut écouter la parole de Dieu. You have to listen to the word of God. Et puis, il faut savoir qui est avec you toi. Have to know who is with qui you. Marche avec toi. Who walks with you. Alléluia. Amen. Saül a donné à David son armure. Saul gave David his armor. Ne va pas à la guerre. Do not go to war. Avec l'armure de ceux-là qui ne sont plus avec Dieu. Non. Ce n'est pas toutes les armes, toutes les techniques qui marchent. It's not all the techniques that work. Nous sommes au 21e siècle. We're in the 21st century. N'utilise pas les techniques du Moyen Âge. Do not use the techniques of the old time. Dans un air où in la technologie est de pointe. Technology is what's going. Non, à no. Chaque étape, in every step, à chaque niveau, in every level, à chaque dimension, in every dimension, à chaque dispensation, in every disposition, Dieu déploie, God Dieu renverse, il donne des gives, capacités nouvelles, new capacities, des habilités nouvelles. Des stratégies nouvelles. Retiens ça dans l'onction. Habilité, capacité, stratégie. Au nom de Jésus, tu vas commencer à recevoir les stratégies du ciel. David a dit non, je ne veux pas combattre Goliath avec les armes de Saül. Il a pris la pierre, les pierres qu'il a pris dans, vous connaissez non, dans le torrent. Et il l'a mis dans sa fronde. Et il l'a lancé sur Goliath. And he threw it upon Goliath. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'il puisse cibler que la tête de Goliath. I don't know what caused him to target his je head. Suis convaincu que pendant qu'il faisait ça, I'm convinced as he was il moving, était en train de s'invoquer le nom de l'Éternel. He was calling upon the name et of Dieu the Lord. A saisi sa main. And the Lord took control Dieu of his a saisi hand. La direction. The Lord took control et of the direction. Quand il a dit Goliath, la pierre est partie. The stone went. Ah, je dis la pierre. Est parti. Et il a frappé la tête. Et le grand Goliath est tombé. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Le grand Goliath de ta vie a tombé. Au nom de Jésus. Ne sois pas intimidé. Goliath avait insulté David. Au nom de ce Dieu. Mais il a dit, toi tu marches contre moi. Avec la lance et le javelot. Mais moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel. Aujourd'hui nous avons le nom de Jésus. Le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Nous avons le nom de Jésus devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse. Alléluia. 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 Regarde ton voisin, dis-lui, ne sois pas intimidé. Troisième intimidation, c'est Goliath dont je parlais tout à l'heure. N'aie pas peur de Goliath. Ne le regarde ne regarde pas comme un géant. Don't look at him as a giant. Il y a toujours des géants. There's always giants. Lorsque tu dois conquérir de nouveaux terrains, as you have to conquer new il y a toujours lands, des géants. There's always giants. Il y a toujours
toujours des gardiens de ville. Mais je sais que celui qui est avec moi, celui qui est avec nous, est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Tu veux te marier, il y a un géant devant toi. Tu veux aller loin dans les études, il y a un géant devant toi. Tu veux faire des choses, des projets, il y a des géants devant toi. J'aimerais te dire, parce que Dieu est avec toi, tu vas commencer à les terrasser un à un. Je dis, tu vas les terrasser un à un. Quel est ce géant qui est devant toi? Il va être terrassé. Je dis, il va être terrassé. Je répète, il sera terrassé. Je reprends encore, il sera terrassé. Oh, les géants de Ottawa, les géants du Canada, ils seront terrassés. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Que tu commences à prier avec moi pour commencer à terrasser tous les géants qui essayent de t'intimider. Ah, je te dis, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. J'ai l'influence. Élève ta voix avec moi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Commence à terrasser. Au nom de Jésus. Commence à renverser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit, Judas est un jeune lion. Il revient du carnage. Et il ploie ses genoux. Ah, comme un lion. Comme une lionne. Qui le fera lever? Lorsque tu rentres dans cette dimension où Dieu te oint, la chorale. La chorale, vient avec moi. Lorsque Dieu vous oint, la Bible dit, tu vas faire des carnages. Et je voudrais que tu puisses te joindre avec moi. Est-ce que nous voulons prier avec nos mains quand nous sommes dans un temps de prière? Prie avec en battant tes mains. Commence à renverser. Il faut qu'il y ait un carnage dans le monde spirituel, dans le monde démoniaque, à cause de la grâce, à cause de l'onction.
bless you. Que Dieu te bénisse. May the Lord bless you. Que Dieu bénisse celui qui prie avec nous à la May maison. May God bless those praying with us at home. Déclare aujourd'hui, today, au nom de Jésus, in the name of Jesus, je déclare, I declare, toute puissance, every power d'intimidation, of intimidation, devant mon projet, before my project, et neutraliser maintenant, neutralize now, à cause, because, de celui qui est avec of moi. The one that is with me. Je déclare, I declare, même si l'intimidation, even if intimidation, venait de près, it came from close, même si l'intimidation even if intimidation, venait de loin, it comes from afar, je déclare I declare, toute puissance all power d'intimidation of intimidation, pour m'empêcher to stop me, d'atteindre le but to reach the goal, au nom de Jésus in the name of Jesus, qui est avec moi he is with me, je déclare I declare, grâce à l'onction because of the anointing de l'éternel of the Lord, cette puissance and power d'intimidation of intimidation, est neutralisée maintenant now, au nom de in Jésus the name of Jesus, je commande I command, à toute forme to every form de pensée of thought, d'intimidation of intimidation, en moi in me, de libérer ma foi faith, et de libérer mes pensées thought, au nom puissant de Jésus Jesus, je déclare I declare, que toute parole every word, d'intimidation of intimidation, prononcée pronounce, dans le physique in the physical, ou dans le spirituel or in the spiritual, je déclare I declare, au nom de Jésus Jesus, par l'onction by the du Saint-Esprit of the Holy Spirit, je brise l'effet de ces paroles the effect of those words, sur ma foi over my faith, sur mes capacités over my abilities, sur mes habiletés et sur mes stratégies over my strategies, au nom puissant de Jésus Jesus, je parle maintenant I speak now, sous l'onction de Dieu under the anointing of God, contre toute activité all the activity d'intimidation intimidation qui a été faite that was made, consciemment consciously, ou inconsciemment or unconsciously, dans ma vie in my life, des jours the day, ou des nuits or at night, afin de me bloquer so they may block me, et de me paralyser and paralyze me, je déclare I declare, à cause de Jésus not because of Jesus, qui vit en moi who lives in me, et à cause de l'onction because of the action, du Saint-Esprit of the Holy Spirit, toutes ces activités all those activities, sont condamnées maintenant condemned now, à être sans effet, to be without effect, au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus Jesus. Et je déclare maintenant now, que tout géant every giant qui a été utilisé par l'ennemi pour m'intimider, me, par sa taille, heart, par ses paroles, by the words, par ses coups by the et par ses menaces, puisque l'Éternel est avec moi, with me, je déclare I maintenant right now, et j'ordonne maintenant. Sous l'onction du Saint-Esprit à ces géants de tomber maintenant 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 devant ma famille devant ma maison devant mon mariage devant ma santé devant mes oh comment toi tu parles dans la prière comment tu parles dans la prière comment tu parles dans la prière Va encore plus loin. You're gonna go further. Lève ta main droite si tu es capable. Lift your hand if you can. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je déclare. I declare. Même si c'est géant. Even if the giant. Avait fait tomber quelqu'un. He made someone fall. Dans la famille de mon père. In the family of my father. Dans la famille de ma mère. In the family of my mother. À cause de Jésus. Because of Jesus. Je déclare. I declare. Pour ma vie. For my life. Pour mon mariage. For my marriage. Ma santé. For my health. Ah, il doit tomber. He has to fall. Il doit tomber. He has to fall. Il doit tomber. Il doit tomber. Il doit tomber. Lève encore la main. Lift your hand again. Même si c'est géant. Even if the giant. A fait tomber quelqu'un. He made someone fall. Dans la famille de ma mère. In the family of my mother. Je déclare. I declare. À cause de Jésus. Because of Jesus. À cause de Jésus. Because of Jesus. À cause de Jésus. Because of Jesus. Ces géants. Those giants. Dans ma vie. In my life. Dans mes affaires. In my business. Dans mon projet. In my project. Ils tombent. They fall. Ils tombent. They fall. Ils tombent. They fall. Ils tombent. They fall. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Oh my God. Il tombe au nom de Jésus. Amen. Si c'est géant, fait tomber une personne dans ma famille. Écoute. Listen.
On a bien commencé. We started well. On a bien commencé. We started well. Et quand j'étais là-bas, and as I was there, le Seigneur m'a dit, the Lord told me de prier, to pray, pendant juste une minute, as, at least for a minute, pour des gens qui sont ici, for people who are here, et qui ont de grands projets, who have great and big projects, qui doit se faire, that needs to happen, d'ici la fin de l'année, before the end of the year. So, le Seigneur me dit qu'il y a des gens, so the Lord tells me there are people qui ont des projets importants, who have important plans and projects. Tous les projets sont importants. All okay? The projects are important, right? Mais je vais prier, but I want to pray pour les projets que tu penses que c'est important pour ta vie, for projects you think are important for your life, et qui doit se réaliser, and that needs to be fulfilled. Quand l'Esprit de Dieu parle, il faut bien écouter. When the Spirit of the Lord speaks, you need to je listen. Je ne parle pas de 2020. He's not speaking of 2022. Je ne parle pas de 2020. He's not speaking of 2022. Je parle. I'm speaking of décembre 2020. December 2021. Et tu dois conclure cela. You have to conclude this. Viens ici, toi. So come forward. C'est pour toi que Dieu m'a parlé. Viens vite. Come in the front. Je parle pas de 2022 parce que moi aussi j'ai des projets pour 2022. I'm not speaking of 2022, I'm speaking of 2021. Mais l'onction que l'apôtre a relâché. But the anointing the apostle released. Oh, je t'ai dit que Dieu a commencé à me montrer des choses. I told you God started showing me things. Je voyais quelqu'un qui était en train de posséder quelque chose de grand, plus grand que lui. Something that he was possessing, something bigger than himself. Il y a des gens ici. It means that there are people here. On va prier. On a trois semaines. We're gonna pray. We have three weeks. On va prier pour 2022. We're gonna pray for the year 2022. On est relax. We're going to relax. Ce soir, but tonight, ici, here, je vais prier, I want to pray une onction, and release an anointing d'accomplissement, of fulfillment accéléré, accelerated pour que ça se passe, so that it may happen avant le 31 décembre 2021. Before the 31st December 2021. Je vais être clair, I'm going to be clear. 2021. I want to be clear. 2021. Somebody say glory to Jesus. Somebody say glory to Jesus. D'ici le 31 décembre 2020. Before the year, the end of the year. De Dieu est forte. And that's how God is strong. Et les témoignages commencent à venir. And testimonies will come. Yeah. Lève seulement les mains là où tu es. So lift up your hand where you are. Je n'ai pas besoin de connaître ton projet. I do not need to know what your project is. J'ai seulement besoin de connaître le nom de Jésus. I just, you just need to know the name of et Jesus. Jésus connaît ton projet. And Jesus knows your project. So je vais prier maintenant. So I'm going to pray right now. La Bible dit ceci. The Bible says this. Si deux personnes, if two people, se mettent d'accord, they're in agreement, sur la terre, on the earth, pour demander quelque chose, to ask something of the Lord, Dieu va l'accorder. God will fulfill it. Alors quand tu viens, so as you come, tu manifestes que tu es d'accord. You manifest that you're in moi agreement. Aussi, quand je suis monté, and as I stood, j'ai manifesté que je suis I'm also manifesting on so my agreement. Now we're gonna pray. Alors on va prier. Nous allons prier. We are to pray. Nous allons prier. We're going to pray. Nous allons prier. We're going to pray. Il y a une raison, there's a reason, pour laquelle, for which, Dieu va t'exaucer. God will answer you. Parce qu'il est avec toi. Because he is with you. Pendant longtemps, for a long time, tu as pensé que Dieu était de l'autre côté. You thought the Lord was on the other side. Mais il est avec toi. But he is with you. So quand Dieu est avec toi, so as he is with et you, que tu es son enfant, and you're his child, il ne t'exauce pas à cause de tes performances. He doesn't answer you because of your performance. Le diable intimide ta foi. The devil intimidates parce your faith. Qu'il veut te dire, because he wants to tell you, tu dois mériter ce que Dieu va te donner. You must deserve what the Lord will give you. That's a big lie from the pit of hell. C'est un grand mensonge de l'ennemi. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Lord, in the name of Jesus. Sur base de ta parole. Based on your word. De la même manière. In the same way. Que tu avais pris David. That you took David. Un jeune garçon. A young man. Dans la maison de son père. In the house of his father. Et que tu lui as donné un projet. And you gave him a project. Et qu'il y avait des menaces. And there was threats. D'intimidation. And of intimidation. Dans sa vie. In his life. Mais puisque David a dit. But because David said. Je viens au nom de l'Éternel. I come in the name of the Lord. Seigneur, aujourd'hui. Lord, today. Mon frère et ma soeur. My brother and sister. Viens au nom de l'Éternel. They come in the name of the Lord. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Et nous voulons prier, Seigneur. We want to pray, Lord. Pour chaque projet. For each project. Représenté ici. Represented here. Et qui
doit se conclure that needs to conclude avant le 31 décembre, before the 31st of December, 11:59. Seigneur, je prie, Lord, we pray, sous l'onction apostolique, under the apostolic anointing, and I declare, à cause de Jésus, because of Jesus, non pas à cause d'argent, not because of non money, pas à cause des diplômes, not because of diplomas, non pas à cause des moyens, not because of means, non pas à cause des beautés, not because of beauty, non pas à cause des relations, not because of relationships, Seigneur, à cause de Lord, Jésus, because of Jesus, je déclare maintenant, I declare now, que la puissance that et la force qui était devant ce projet, brise maintenant, broken out, brise maintenant, broken out, brise maintenant, broken out, au nom de Jésus, Jesus, je déclare maintenant, I declare now, toute forme d'intimidation qui allait, Seigneur, étouffer la foi de mon frère et de ma soeur, par la puissance favor, de la parole de Dieu God, et par l'onction de l'Esprit de Dieu, God, cette puissance power, est brisée maintenant. Jésus, je déclare maintenant que mon frère et ma soeur libèrent sa foi maintenant. Ils libèrent sa foi. Ils croient qu'avec Dieu, tout est possible. Ils croient qu'avec Dieu, tout est possible. Ils croient qu'avec Dieu, tout est possible. Seigneur, je prie maintenant. Lord, I pray right now. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je prie pour le projet de la première semaine de décembre. I pray for the project of the first week of December. Je ne sais pas si tu as déjà des dates. I don't know je if you prie pour les projets. I pray for the plans qui se concluent maintenant. Écoute now. Très bien, je parle. Listen, sous l'onction prophétique. Speaking of the apostolic anointing. Le projet qui se conclut maintenant. The project being concluded now. Je ne dis pas now. Que ça va se conclure saying, la première semaine. Je dis que le projet se conclut maintenant. Maintenant, toi, tu vas aller prendre ça la première semaine. Seigneur, je prie maintenant pour les projets de la première semaine du mois de décembre. Je déclare qu'il y a une accélération dans les approbations, il y a une accélération dans les accomplissements, il y a une accélération dans les signatures, il y a une accélération dans l'achat, il y a une accélération, il y a une accélération. La première semaine, nous déclarons ce projet conclu et réussi. Je prie maintenant. Pour le projet de la deuxième semaine, for the project of the second week, du mois de décembre, of the month of December, la deuxième semaine, the second week, la deuxième semaine, the second week, ça commence quel jour? La deuxième semaine, the second week, la deuxième semaine du mois de décembre, the second week of December. Peut-être tu as la date, peut-être tu n'as pas, peu importe. Maybe you have the date, or maybe you may not have it. Ça commence quel jour? Cinq. Le 5. It's on the 5th. Ça commence le 6. It's on the 6th. Et ça finit quand? Ça finit le 13. Ça finit le 13. And it ends on je the 13. Je prie maintenant. I pray right now. Pour les projets. For the projects. Qui sont conclus déjà. Which are concluded already. So écoute très bien la listen prière. Listen carefully for the prayer. Je parle des projets. I'm speaking of projects. Je ne dis pas. I'm not saying. Qui vont se conclure. Who will be concluded. Entre les 6 et les 13. Between the 6 and the 13. Je parle. I speak des projets. Of projects. Qui sont déjà conclus. Who already concluded. Et ta présence ici. And your presence here. C'est pour que le ciel te voie. It's for heaven to see you. Et relâche quelque chose de particulier. Seigneur, je déclare Lord, maintenant now, la deuxième semaine week, à partir du 6 décembre jusqu'au 13 septembre. December, I release the anointing of God. Je relâche la puissance de Dieu dans la vie de ton père, dans la vie de tes enfants. Je déclare la signature de projet. Je déclare la conclusion de l'ordre. Je déclare la confirmation de promotion. Je déclare. La faveur de Dieu. The favor of God. Je prie maintenant. I pray now. Pour la troisième semaine de décembre. For the third week of December. Oh, something is happening now. Quelque chose se passe maintenant. La troisième semaine de décembre. The third week of December. La troisième semaine de décembre. Tu sais, you know, l'onction de Dieu est tellement forte. The anointing of God is so strong.
est tellement fort. It is so je strong. Je savais pas que Dieu allait me diriger comme ça. I didn't know God was going to lead me parce this way. Parce que moi-même, because myself, ce matin, this morning, j'étais avec un avocat, I was with a lawyer, avec mon épouse, with his, my spouse. On était en train de signer les choses prophétiques que Dieu a montrées. We were signing the prophetic things for sure. Je sais que cette onction, so I know this anointing, est en train de circuler. It's moving in this place. Pour la troisième semaine. For the third week. Pour la troisième semaine. For the third week. Je ne sais pas toi. I don't know for you. Qu'est-ce qui doit être confirmé? What needs to be confirmed? Qu'est-ce qui doit être signé? What needs to be signed? Qu'est-ce qui doit être relâché? What needs to be released? Qu'est-ce qui doit être donné? Mais tout ce que je sais, c'est que Jésus est avec toi. Jesus is, Jésus est avec toi. He's with je prie maintenant I pray right pour now le projet conclu. For the concluded projects. C'était quoi? C'était quatrième semaine. Third week. Troisième semaine. Ça commence quand? Le 20. Ça commence quand? Ça commence quand? Ça commence, on a dit le 6 au 13. So maintenant, troisième semaine commence le 14 jusqu'à quand? Le 21. Le 21. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nous déclarons la faveur de Dieu sur ce jour-là. Nous déclarons la grâce de Dieu. Nous déclarons la faveur de Dieu. Au nom de Jésus, entre dans un bureau et prends ta promotion. Entre dans un magasin et signe le contrat. Entre dans un cabinet d'avocat et scelle l'affaire. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si ta date c'est quand. I don't know when is your date. Je ne sais pas si ta date c'est quand. I don't know when your date is. Si tu voyages, je bénis tes pieds. If you're traveling, I bless your travel. Je bénis ton départ. I bless your departure. Je bénis ton trajet. I bless your trip. Je bénis ton arrivée. I bless your arrival. Et je demande à Dieu and I ask the Lord de te précéder. To precede you. D'aller déjà signer. To go and sign. D'aller déjà déclarer. To go and declare. D'aller déjà prendre. To go and take. D'aller déjà acheter. To go and buy. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je prie maintenant. I pray right now. Pour la quatrième semaine, for c'est the fourth week. Ça commence quand? Le 22. Le 22 jusqu'à la fin from du mois. From the 22nd to the end of the month. Le 22 jusqu'à la fin du mois. From the 22nd to the end of the month. Je te dis. I say. Si tu es ici. If you're here. Tu as la foi. You have faith. Dans la parole qui a été prêchée. In the word that was preached. Et tu sais que Jésus est avec toi. And you know Jesus is with you. J'interdis. I forbid. À ton projet. To your project. D'attendre jusqu'à 2022. To wait until 2022. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, je déclare. I declare. Dieu me parle de quelqu'un qui est ici. God speaks to me of someone here. Le projet pour lequel tu pries maintenant. The project that you're praying for. C'est un projet qui n'est pas vraiment de l'année 2021. It's a project that's not for the year 2021. Ça avait raté l'année passée. You missed it last year. Et ça avait raté l'année où la pandémie a commencé. And où est-ce que tu es? The year the pandemic où est-ce started. Que tu es? Viens ici. Dieu me dit à quelqu'un qui est ici. God tells me there's someone here. Viens, viens ici. Pasteur, viens m'aider. Oh, I love the Holy Ghost. J'aime le Saint-Esprit. So, hein? Tu es venu so you came, en te disant saying, ça a raté et cette année ça ne rate pas. Est-ce it que tu crois? Out on the years, but oh, this que mon Dieu miss. Te bénisse. May God bless you. Que mon Dieu te bénisse. May my God bless you. So, nous voulons prier pour ces gens ici. We want to pray for these people. Tu sais que Dieu t'aime beaucoup, hein? You know God loves you so et much. Il te connaît. And he knows you. Il te connaît. He knows you. Dieu te connaît vraiment très bien. God knows you probably very well. Il te connaît très bien. Very well. Il te connaît très bien. He knows you very well. Il te connaît très bien. He knows you very well. Oublie les ratés de l'année passée. Those that missed it last year. Tu sais moi aussi ce matin. You know me as well this morning. Je suis allé signer. I want to sign. J'avais raté deux fois. I missed it twice. Mais ça n'a pas plus raté. But this time I did not miss. Tu comprends ça? Do you understand? Parce que demain on va me donner les clés. Tomorrow I'm gonna get the keys. On va me donner les clés. I'm gonna get the keys. Et ma fille spirituelle. And my spiritual daughter. Sur qui j'ai prié. Over which I prayed. C'est elle qui a vu ça. She's the one that's seen it. M'a appelé un jour le matin. She called me one day in the morning. Elle dit papa. To say dad. Tout un mois qu'on ne parlait pas. It was a whole month that we didn't speak. Et il m'a dessiné la chose. And she drew me it. J'étais en train de rigoler. And I was smiling and so laughing. Demain, so tomorrow, je vais l'appeler. I'm gonna call her. Je lui ai dit, je t'appelle. I said, I'm gonna call pour you. Pour augmenter ta foi. To increase your c'est faith. Toi qui vas prier. You're going to pray. Quand on va me donner les clés. When I'm gonna get the keys. Et tu comprends ça? Do you understand this? On m'a donné les clés. They gave me the keys. Mais je n'avais pas l'argent. But I didn't have the money. So tu n'as pas besoin d'argent. So you don't need the money. Tu as besoin de Jésus. You need Jesus. Pendant que le pasteur prie pour toi, as the pastor prays for you, Dieu est en train de faire quelque chose. God is doing something. Prie aussi pour ma fille ici. Pasteur, venez m'aider. Venez m'aider ici aussi.
Prie pour ma fille. Pray for my daughter. Prie pour ma fille. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, donne-moi ta main. Elle, c'est ma fille, ma propre fille. You shall succeed now, eh? Tu vas réussir. It's a different season. C'est une nouvelle saison. It's a different season. C'est une saison différente. Je demande à Dieu. He asked God. D'introduire. To introduce. Un chapitre de succès et de réussite. It's a chapter of success. Plus grand que ce que moi j'ai connu dans ma vie. Greater than what I've known in my life. Je prie à Dieu. I pray God. De te donner. To give you. Non, pas de te donner. Not to give de you. De t'introduire. To introduce you. Dans une saison. Into a season. De succès. Of success. Surprenant. That's surprising. Je prie Dieu. I pray God. Pour qu'à partir de maintenant. That from now on. Que tu remportes des succès. May you have victory and success. Qui ne dépend de rien de toi-même. That doesn't depend on yourself. Ce que tu vas gagner. What you're going to overcome. Mais ce ne dépend pas, will not depend. Et ne viendra pas. Oh, it will not come. Ne viendra pas. It will not come. De ce que tu as déjà. From what you have already. So Dieu. So God. Va te surprendre. Is going to surprise you. Parce que Dieu. Because God. Va mettre dans les gens. Will place in people. Ce dont tu as besoin. What you're in need of. Et ils travailleront pour toi. They will work for you. Pour que tu puisses avoir le succès. So you may have success. Je déclare maintenant. I declare now. Un chapitre de succès. A chapter of success. Un chapitre de réussite. A chapter of success. Un chapitre de succès. Chapter success. Mais les sons que j'entends, the noise I hear, c'est des succès qui surprennent. A surprising success. Oh, Dieu m'en a fait plusieurs fois God comme made, ça. Me did it so many des for succès me. Qui me surprennent. Success unexpected. Et quand je prie, je lui dis, Seigneur, and as I pray, say, Lord, mais qu'est-ce qui se passe? What is happening? Comment tu peux me faire ça? How can you do this to me? Je prie Dieu I pray God, que quand tu seras à genoux, as you're gonna be on your knees, en train de chanter, and you're singing, en train d'adorer, as you're worshiping, et dans ta tête, and in your head, tu te poseras la question. The question, pourquoi tu me fais ça? Why are you doing this? Est-ce que je mérite de faire do ça? I deserve to alors do this? Je réponds déjà, tu you, ne mérites pas. You do not deserve. C'est lui qui a mérité. The one that deserves. Il s'appelle Jésus. He's called Jesus. Il a mérité pour toi. He deserved it for il you. A mérité pour toi. He deserved it for et you. Tous ceux qui contestaient tes succès, and all that contested your success, I break it now. Je le brise maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I break it now. Je le brise maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I break it je now. Je le brise maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. So I release you je te relâche in this new season. Dans cette nouvelle saison. What are you gonna think? Ce que tu vas faire. You're gonna say. Ce que tu vas dire. You're gonna speak. Ce que tu vas dire. And it shall be established. Ça va être établi. Je veux que tu te souviennes. I want you to remember. Que tu entres dans une saison. You're entering into a season. What are you gonna think? Où est-ce que tu vas penser? And you're gonna speak. Est-ce que tu vas parler? And you're gonna go. Et tu vas aller. And you will not fail. Et tu vas pas échouer. It shall not fail. Tu vas, ça va pas échouer. It shall not fail. 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 Ça va pas échouer. Can you receive the anointing now? It shall not fail. Ça va pas échouer. It shall not fail. Ça va pas échouer. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Lève tes mains maintenant. Lift your hand now. Je proclame. La conclusion, the conclusion et l'accomplissement des projets of projects de la quatrième semaine jusqu'au 31 décembre à 23h59 je déclare I declare que le 31 on the 31st, tu vas bénir Jésus you will bless Jesus, et tu vas dire à Jésus Jesus, il est ton Dieu he is your God, il est avec toi he is with you, et il te donne la victoire victory, dans les batailles in the battle, à cause de l'onction de son esprit spirit, je prie aussi well, pour les bien-aimés qui ont envoyé leur nom names, je vous associe à cette prière you to the au prayer, nom de Jésus in the name of Jesus, que Dieu vous bénisse may God bless you. Maintenant je right déclare now, la gloire de Dieu that's the glory of God sur ta vie over your life, et l'onction de Dieu and the anointing of God. Pendant ces trois semaines during these 3 weeks, tu prieras comme quelqu'un de différent you will pray like a different person. Tu verras you'll see, Dieu te donnera des stratégies God is going to give you strategies, des instructions, instructions. Je remercie Dieu I thank the Lord pour ce qu'il va faire pour toi for what he's going to do for you. Je remercie Dieu I thank the Lord pour ce qu'il va accomplir pour ta vie. For what he's going to accomplish for your life. Je remercie Dieu I thank the Lord pour ce qu'il va faire. For what he's going to do. Je remercie Dieu I thank the Lord pour ce qu'il va accomplir. For what he's going to fulfill. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Ce n'est que le début. It's only the beginning. Et nous sommes en train de bien commencer. And we're starting it very Apôtre well. Douglas, que Dieu te bénisse. Apostle Douglas, may God bless you.
demain tu es avec nous. Tomorrow you're with us. Que Dieu te remplisse encore pour May nous. May God fill you even more. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Applaud for the King of Kings? Ah, je pensais que tu étais debout. I thought you were standing. Et tu acclamais le roi des rois. And you're applauding the King of Kings. Et tu acclamais le Seigneur des Seigneurs. The Lord of Lords. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous continuons d'acclamer pour notre Dieu. Continuons d'acclamer pour notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai pensé que nous étions en train d'acclamer. J'ai pensé que nous étions en train d'acclamer ce Dieu qui nous a oint ce soir. Alléluia, que toute la gloire et l'honneur reçoit soit à notre Dieu. Alors rapidement, nous allons passer aux offrandes. Si vous êtes ici, vous avez besoin de l'enveloppe, juste levez la main. Alors que l'équipe sera en train de circuler. Et si vous avez besoin de la machine sera juste à notre droite. Mais aussi pour nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, les informations sont sur l'écran. Et vous pouvez suivre la direction et pour donner vos offrandes en ligne. Et nous allons prier les Seigneurs. Seigneur, merci. Lord, thank you. Merci pour l'onction de ce soir. Thank you for the anointing of tonight. Merci parce que tu nous oins pour être capable d'accomplir des choses. Tu es béni pour nous de t'honorer avec ces offrandes, dîmes ainsi que les actions de grâce, de les agréer et que cela serve pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors que nous serons en train de donner les offrandes, j'aimerais juste nous rappeler, nous sommes à notre premier jour. C'est notre premier jour que nous avons commencé nos 21 jours de jeûne et prière. Demain, mardi, nous sommes ici à 5h du matin. Pour ceux qui peuvent, bien sûr, si vous faites le télétravail, vous pouvez venir ici à 5h. Nous allons commencer à 5h et à 6h du matin, nous allons clôturer. Et nous revenons encore ici le soir à partir de 18h30 pour continuer dans la prière. Et toute la semaine, nous sommes ici à partir de 18h30 pour notre prière. Ne venez pas seul, vous pouvez venir en famille, vous pouvez éviter pour venir prier avec. Bring your friends as well. Alors, nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous tenir des mots pour Let's prier. All rise up so we conclude. Et mon frère Paul va prier pour clôturer. Père éternel, nous te disons merci encore. Nous savons que tu es le Dieu Alpha et Omega. Merci encore, Papa, pour ce soir, car tu es celui qui nous connaît. Merci, Dieu des armées, car tu as planifié ce programme pour notre bien. Quand nous savons, Dieu des armées, quand nous accrochons à toi, nous voyons encore les choses s'accomplir. Nous voulons, Dieu des armées, que tu nous protèges, que nous allons retourner à la maison. Saint-Esprit, parle avec nous. Que tu nous parles encore dans les rêves et que nous revenons ici encore pour t'adorer, pour te célébrer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne soirée.